Moi, j'aimerais dire aux parents d'abord, avant de prendre un répétiteur, il faut déjà échanger avec l'enfant. Il faut essayer de voir si l'enfant est déjà bon. Il est déjà bon. Est-ce que l'enfant a de très bons résultats? Est-ce que l'enfant, socialement, au niveau comportemental, il répond aux valeurs sociétales? Est-ce que l'enfant réussit, pardon, à prendre des initiatives au niveau éducatif? Maintenant, regardez aussi, est-ce que l'enfant est moins bon dans certaines matières? Est-ce qu'il ne faut pas prendre, je veux dire, quelqu'un pour venir l'appuyer dans certaines matières? Donc, avant de prendre en fait le maître de maison, il faut d'abord faire un bilan éducatif.